Est-ce qu'on se regarde encore longtemps ou vous m'invitez à entrer ? Je ne crois pas vous avoir déjà rencontré. Vous êtes mademoiselle ? Puis-je entrer, monsieur McPherson ? Ce que j'ai à vous dire devrait réveiller en vous le détective qui sommeille. C'est que je n'exerce plus le métier de détective. Mais entrez donc, si vous le voulez. Navré, je ne me suis pas présentée. Blake, Sophia Blake. Monsieur McPherson, j'ai besoin de vous pour enquêter sur une affaire qui m'est chère. Votre prix sera le mien. Votre offre ne m'intéresse pas, mademoiselle, bien que vous soyez fort aimable. Je ne désire pas renouer avec le métier de détective. C'est trop risqué. J'ai vraiment besoin de vos talents de détective. Je finance tout. Le détective est un peu rouillé, mais l'artiste a besoin d'arrondir ses fins de mois. Je vous écoute. Nous verrons bien ensuite. Bonne nouvelle. J'aimerais que vous enquêtiez sur une affaire criminelle. Je tiens à vous préciser que je ne veux être mêlé à rien d'illégal. Si j'accepte, c'est parce que vous me semblez honnête. Ma jeune sœur et son mari ont été assassinés, monsieur McPherson. Je veux savoir qui a fait cela. Savez-vous à quel endroit on a retrouvé les corps ? Un hôtel d'un quartier chic de Paris, dans le 8e arrondissement, l'hôtel Orphée. Ils y étaient descendus, voilà, environ une semaine. On les a retrouvés sans vie dans leur chambre. Toutes mes condoléances pour votre sœur et son époux. La police a-t-elle une piste ? Qui est le commissaire chargé de l'enquête ? Le responsable de l'enquête, c'est Lebrun. Mais la police est la même dans tous les pays, monsieur McPherson. À New York ou à Paris, il ne faut pas être pressé. Lebrun nous le prouve bien. Votre famille, elle était à Paris pour des vacances ou pour une rencontre ? Je devais les rejoindre à Paris. Vous savez, monsieur McPherson, visiter l'Europe était le rêve d'enfance de ma sœur, Ruby. Avec monsieur White, c'était réalisé ce rêve. Ils étaient vraiment amoureux. Que savez-vous sur leur mort ? Les indices, la façon dont le meurtrier s'y est pris pour les tuer. Les White ont été trouvés décapités dans leur chambre d'hôtel, monsieur McPherson. Pourquoi vous adressez à moi, mademoiselle Blake ? Il y a des dizaines de détectives qui ont pignon sur rue à Paris. Juste parce que je suis New-Yorkais ? Ça ne me semble pas très convaincant. Votre réputation, monsieur McPherson. J'apprécie votre surnom de Spooky. J'ai des amis qui connaissent du monde à la Pinkerton Agency de New York. Les soupçons qui planaient sur vous sont non fondés, bien entendu. Vous êtes l'homme qu'il me faut pour cette enquête. Discret, capable de voir au-delà des apparences. Combien êtes-vous prête à me rémunérer pour que je prenne cette affaire en main ? Cette affaire peut vous demander quelques jours. Je vous offre 500 tout de suite et 500 par jour d'enquête fructueuse. Deal. Je vous dois beaucoup, monsieur McPherson. Beaucoup plus que l'argent que je peux vous donner. Pourquoi ne pas laisser la police faire son métier ? Vous savez, je ne voudrais pas entraver l'enquête. Monsieur McPherson, je n'ai aucune confiance en la police. Le commissariat du 8e, Lebrun en tête, tente d'étouffer l'affaire. Ils ne pensent qu'à maintenir leur réputation de quartier chic. Avez-vous d'autres renseignements qui puissent m'être utiles ? Quelque chose de particulier, un détail personnel, des ennemis connus, un motif qui aurait poussé quelqu'un à tuer les White ?
C'est tout ce que je sais. Ruby et Regis aimaient bien voyager avec confort. Ma sœur emmenait toujours avec elle des souvenirs familiaux. Vous savez, le genre de choses qui nous rappellent le foyer même quand nous sommes très loin. La police n'a rien trouvé de tout cela dans la chambre. Du moins, c'est ce qu'elle dit. Pas d'argent non plus. J'espère arriver à des résultats rapidement. Je vous recontacte dès que mon enquête aura avancé. Au revoir, Mademoiselle Beck. Je ne vous demande qu'une chose, la discrétion. La police ne doit pas suspecter votre présence. Si vous désirez me rencontrer... Excusez-moi de vous déranger. Mademoiselle, je voudrais le bureau des postes et télégraphes, s'il vous plaît, pour envoyer un télégramme. Tout de suite, monsieur. Poste et télégraphe, j'écoute. J'ai un télégramme à envoyer à New York, s'il vous plaît. Le destinataire se nomme J. Wells, de la Pinkerton's National Detective Agency, au 57 Broadway. Je vous le dicte. Besoin, renseignement sur une femme nommée Sophia Blake. C'est noté. Cela partira dans la matinée. Terminé ? Vous êtes bien sûr, Monsieur Beauvais, que vous ne l'avez pas vu ? Oui, oui, je suis sûr. Allez, Madame Éloin, rentrez à la maison, on va s'en occuper, c'est promis. Oh, merci, Monsieur Beauvais. Vous êtes bien aimable. La prochaine fois que je passe chez Cézanne, je vous apporte un petit rouge, c'est promis. Allez, au revoir. Au revoir. Ah, un petit rouge. Allez, suivant. Un petit coup de main. J. Macpherson, détective privé. Vous accepteriez de répondre à quelques questions sur l'affaire de l'Orphée ? Un privé. À la bonne heure. Votre permis de chasse est visible ? Je suis américain, vous savez. Là-bas, en Amérique, on est encore un peu cow-boy. On n'a pas besoin de permis pour être détective privé. J'ignorais qu'à Paris, il était nécessaire d'en avoir un. Sincèrement désolé. On n'a pas besoin de permis à Paris. Vous travaillez pour qui, le privé ? Vous comprendrez que parfois, mes clients ont des petits caprices. Celui-là, par exemple, désire garder son identité secrète. Si vous y tenez vraiment, je vous dirai de qui il s'agit, mais... je briserai ainsi une promesse. C'est délicat. J'ai reçu des consignes très claires sur l'affaire de l'Orphée. Pas de fuite. Et j'ai tout à y gagner, si vous voyez ce que je veux dire. Deux touristes américains tués dans un hôtel parisien. Pas joli, tout ça. Plus vite on réglera cette affaire de l'Orphée, mieux ce sera, pas vrai ? Mais il faut m'aider à ouvrir certaines portes.
Laissez tomber. On crève de chaud ici, non? N'auriez pas quelque chose à boire, histoire qu'on s'en jette, hein? Qu'est-ce que ces valises sont lourdes? Et n'oubliez pas, jeune homme, l'ascenseur est toujours hors service. Ah mince! Bonsoir, monsieur. Bienvenue à l'hôtel Orphée. Mon nom est Isidore Petit. Que puis-je pour vous? Macpherson du Clairon Parisien, le journal qui tient la nouvelle. Avez-vous une opinion sur ce que nous avons appelé l'affaire de l'Orphée? Vous travaillez pour une vulgaire feuille de chou, monsieur. Votre journal est un ramassis de sottises. Vous savez, je ne fais qu'envoyer mes articles. Je suis un chasseur de nouvelles. Le Clairon est un de mes employeurs. Ces journaux ne prennent pas garde au mal qu'ils peuvent causer. De tels propos donnent mauvaise réputation à notre établissement. À présent, qui va vouloir louer cette chambre? À New York, cette chambre serait déjà devenue une attraction touristique, avec un prix d'entrée pour la visite. Monsieur Macpherson, un peu de retenue, je vous prie. Deux innocents ont trouvé la mort dans cette chambre. On ne plaisante pas avec ce genre de choses. Nous avions déjà Madame Loiseau de Malheur à cet étage, et c'était bien suffisant. Madame Loiseau, qui est-ce? La femme de chambre? Elle a vu quelque chose la nuit du meurtre? Ce n'est pas à moi de vous dire ce que Madame Loiseau a vu. Si vous voulez plus d'informations, adressez-vous directement à la police. Je ne peux rien de plus pour vous. Je suis sûr que le portier n'apprécierait pas de me voir monter à l'étage seul. Je dois trouver une ruse ou le convaincre de m'accompagner. Monsieur Désir? Mon nom est Macpherson. Je suis détective privé. Un privé? Et un Américain en plus. Je suis verni ce soir, on peut le dire. La police a-t-elle un suspect? Moi, je leur ai dit ce que je savais. J'ai bien vu quelqu'un toute la soirée là contre la fenêtre. Mon témoignage, ils en font ce qu'ils veulent. Je compte vraiment sur vous pour m'en dire plus. Je sais très bien que la police ne me dira rien. Moi, je n'en sais pas plus. Mais je sais que Petit, le réceptionniste de l'hôtel Orphée, eh bien, il a discuté le bout de gras avec le commissaire Lebrun. Il semblait en savoir pas mal sur l'affaire White. Merci. Il n'y a pas de quoi. Vous encore? Monsieur, je n'ai plus rien à vous dire. Bonsoir, quel numéro désirez-vous? Excusez-moi de vous déranger, mademoiselle. Je voudrais Élysée 1528. Je voudrais parler à Sophia Blake. Tout de suite, monsieur. Il n'y a pas de réponse, monsieur. Essayez plus tard. Je
suis sûr que le portier n'apprécierait pas de me voir monter à l'étage seul. Je dois trouver une ruse ou le convaincre de m'accompagner. Mon petit extra, il n'est pas au rendez-vous ? Bon, alors du balai. Voilà, mon brave. Si c'est pour voir le commissaire, on passe par moi d'abord. Monsieur. Donnez-moi une bouteille de rouge. Plein de promesses et les mains vides, hein? J'ai un marché pour vous. Laissez-moi voir le dossier de l'affaire de l'Orphée et je vous offre une bouteille de vin.
Le bureau du docteur Kaufner, s'il vous plaît. C'est là-bas, tout au bout. Attention de ne pas vous perdre. Entrez. Docteur Frank Kaufner. Que puis-je pour vous, monsieur? Je suis Gustav MacPherson et je viens vous poser quelques questions concernant l'affaire White. Dites-moi ce que vous voulez entendre. Vous vous informez donc sur l'incident de l'hôtel Orphée? Vous êtes, paraît-il, la personne de référence pour les meurtres de l'Orphée. Terrible affaire. Êtes-vous de cet avis? C'est les commissaires Lebrun qui vous envoient, Monsieur MacPherson. Je suis ici grâce au commissaire Lebrun, en quelque sorte. J'ai lu votre rapport d'expertise dans le dossier de police. Vous enquêtez pour votre compte. Votre intérêt dans ce cas, Monsieur MacPherson, est de quelle nature? Mon client me paie pour que je garde son identité sous silence. Assez riche pour se payer un détective, assez riche pour rester loin de tout scandale. Nous avons tous une réputation à protéger. L'affaire White cache peut-être bien autre chose. Comme une poupée russe. Tant que nous n'aurons pas toutes les données, nous ne saurons pas ce qui se dissimule au cœur de cette histoire. Je ne demande pas mieux que de vous aider, Monsieur MacPherson. Mon expertise est à votre disposition. Qu'est-ce qui rend ce meurtre si particulier? La police semble même vouloir étouffer l'affaire. Pourquoi donc? L'homme qui a commis ce meurtre, et j'insiste sur le fait qu'il soit un homme, est probablement très bouleversé à l'heure qu'il est. Ce crime a été commis sous l'emprise d'une brusque pulsion, sans préméditation. Son geste le hante actuellement. Il n'est plus lui-même. Êtes-vous d'accord avec la version officielle de la police, Dr. Kaufner? Les White auraient été tués à l'occasion d'un vol? C'est ce que la police dit. Mais la version officielle reflète-t-elle l'opinion réelle du commissaire Lebrun? Ces meurtres pourraient bien être le début d'une longue série de crimes. Même aliéné, cet homme doit porter sur ses épaules le fardeau de son geste. Comment peut-il avoir la conscience tranquille? Se rend-il seulement compte du geste qu'il a fait? Croyez-vous que le tueur soit aussi sa propre victime, qu'il a été forcé d'accomplir ce geste contre son gré et contre sa conscience? Victime de nos instincts, victime du temps, victime de la vie. Nous sommes tous des victimes, Monsieur MacPherson. Et vous avez un suspect, Monsieur MacPherson? Si j'avais un suspect, je ne serais pas ici, Dr. Kaufner. Ça fait une agréable conversation. Mais je n'ai malheureusement plus de temps à vous accorder, Monsieur MacPherson. J'espère avoir satisfait votre curiosité.